Aujourd'hui, le grand jour, nous partons donc pour Tokyo et ce soir nous avons le concert de 80s. Oui! Oh, on voit mon truc. Nous allons partir là, je pense que nous arriverons à la salle vers 15h approximativement. J'aimerais bien essayer de trouver un live stick. Bon, les portes ouvrent à 17h je crois, donc on a 2h pour trouver un live stick. À voir. Voilà! Et je vous montre mon petit look du jour. Je suis trop contente, j'ai fait un mini make-up. Bon, en vrai, c'est pas grand chose, hein. C'est pas foufou. Mais j'ai mis à peine de noir, un petit peu de mascara, des petites paillettes et tout. Bon, ce soir, on ressemblera à plus rien, mais au moins, comme ça, vous aurez vu vite fait mon petit look. Une petite barrette avec un lapin. Je sais pas si on voit bien. Serpent. Petite choker. Un petit haut en dentelle assez court. Je vais mettre un top par-dessus là pour y aller, parce que bon, je ne voudrais pas choquer tout le monde. Le bas, je mets mon pantalon zèbre. Je vais mettre juste des petites baskets en plus. Et dans le miroir, ça donne ça. Et comme ça, en plus, on voit le rouge de mes cheveux aussi. Ça ressort bien. Pour ça, oh là, focus. Alors, mais pourquoi on voit pas? Ah, ah, non, oui, oui, non. Peut-être. Ah, voilà. Et là, on voit bien comme ça le rouge de mes cheveux. Comme ça, ça ressort. De toute façon, je vais porter un masque, donc à un moment donné. C'est pour ça que j'ai fait un peu plus les yeux que d'habitude. Et voilà ce que ça donne. J'ai trop hâte. Donc si vous êtes ready, on peut y aller. Let's go. Ouh. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que ce soir, on dort dans un manga café. J'ai fait la réservation ce matin. Et du coup, on va voir comment c'est là-bas. Il y a des petits mangas et tout. Bah, de toute façon, je les lirai pas parce que c'est en japonais. Je viens de penser. Mais c'est des espèces de petites rooms, comme des chambres et tout, pas très chères. Et après, tu y restes selon le temps que tu y passes. En fait, tu payes tel montant. Donc voilà, je vous montrerai comment c'est là-bas. Let's go! Encore une fois, nous prenons des chemins dangereux. La nuit seule, enfin dangereux. Bon, c'est juste que bon, on se facilite pas la tâche. Mais nous, on rentre à pied. Il y a du Harry Styles, oh my god.
Trop cool. Voici ma petite chambre pour la nuit. Mon dieu. Waouh, j'ai une méga télé par contre. C'est trop rigolo, regardez. Trop bien. Waouh. Waouh. Trop cool. Les gars. Mon dieu, c'était insane. En plus, on a pu filmer. J'ai été la plus heureuse. Du coup, et en plus, il y avait plein de chansons qu'il n'y avait pas. Il y en avait une, j'avais pas capté au début. La première, c'était Alasia. Et j'avais pas capté. J'ai mis 30 secondes à capter. Tout le concert, je faisais une tête. Parce qu'ils étaient on fire. Enfin, vous aurez vu les images, mais c'était trop bien. Ils étaient trop on fire et tout. C'était trop le feu. Oh my god. Genre vraiment. C'était trop bien. Waouh. Vraiment, genre. C'était insane. Ils ont tout donné et tout. C'était trop bien. L'ambiance était ouf. C'est pas du tout le même public que pour TXT. C'est trop drôle. Toutes les meufs, elles gueulaient les prénoms des idoles et tout. C'était hyper drôle et tout. Alors que TXT, c'était un peu plus calme, entre guillemets. Mais là, franchement, les gens étaient plus réveillés et tout. C'était trop fun. Trop fun, mais genre, je réalise pas que je les ai vus. En plus, comme je filmais, bon, ben, toujours quand tu filmes, c'est un peu différent. Mais je vais réaliser demain et tout. C'était trop bien. Et là, je viens tout juste d'arriver à Shibuya. C'est un petit manga café. Du coup, tu peux te servir de manga. T'as une mini pièce, une mini room. C'est tout petit, hein, mais bon, pour la nuit, franchement, ça me suffit. Une mini room. Et comme ça, après, soit tu peux lire, tu peux lire, tu peux regarder la télé dans ta chambre, jouer aux jeux vidéo pour ceux qui aiment, parce qu'il y a différentes chambres, il y a des chambres aussi avec des chaises, t'as un coin de boisson, t'as plein de coins différents et tout, donc c'est hyper stylé en vrai. Donc je vais passer ma petite nuit et demain matin, comme ça je repars de direction Osaka. C'était trop bien, wow, je suis sur mon petit nuage. J'ai hyper chaud par contre, va falloir baisser, il fait 25 degrés. C'est un saut de bordel. C'est trop bien, je suis trop heureuse, mon dieu. C'était trop bien. Je ressens plus à rien, vraiment, milieu de tête. Mais c'était trop bien, je suis trop contente. Bref, je vais vous quitter parce qu'il faut que je mange un petit bout quand même. Là, je commence à avoir faim, faire pipi, tout ça. Et puis voilà. Voilà, on se retrouve plus tard pour de prochaines aventures. Demain, ça va être le retour à Osaka, on va faire assez chill et tout. Et après, normalement, le jour d'après, on part à un festival. Si j'arrive à faire un festival. Voilà. J'espère que les images, en tout cas, vous auront plu. Dites-moi ce que vous pensez entre la différence entre les concerts au Japon et en France. Là, vraiment, ils ont tout donné, genre, oh, Django, la voix de Django. C'était trop bien, bref. Allez, bisous et à bientôt. Bye. Break the wall. Oh, je ferme mon petit dodo. Mais il est l'heure de repartir pour Osaka. Let's go. Je vous ai pas repris depuis Tokyo. Depuis, je suis rentrée, j'ai fait un petit brin de toilette qui était vraiment nécessaire. J'ai fait une lessive, je me suis trompée. Au départ, j'ai mis les vêtements dans le sèche-linge. Parce que, je sais pas, j'ai vu un truc avec plein de machines, j'ai mis dans la première venue, c'était sèche-linge, génial. Je n'avais pas de monnaie, il y avait une dame qui était là, j'essayais de lui demander si elle pouvait échanger une pièce avec moi. J'ai cru que j'étais Godzilla ou je ne sais quoi, elle me regardait comme ça. J'ai dit non, je veux pas te voler, je veux juste échanger mes pièces avec la tienne, quoi. Bon, bref. Anyway, tout ça pour que j'aille marcher 20 minutes, trouver un truc pour échanger. Et c'était le sèche-linge. C'est pas grave, on a réussi quand même
à faire notre mini lessive. Ah oui, aussi, aujourd'hui je pensais pas, mais c'était bondé, 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 bondé. Avant 15h30, tout était blindé. Pas une place. Et j'ai pris du coup un train et il y a des sièges des fois, enfin il y a des wagons qui sont réservés aux places non réservées. Enfin c'est des wagons non réservés et du coup tu peux t'y mettre. Mais sauf que pour passer la barrière, il me faut un ticket. Et j'arrive jamais à avoir le ticket non réservé. Enfin bon, je comprends pas trop comment ça fonctionne, donc tant pis, j'ai pris un autre ticket. Ça passait quand même, même si c'était pas le bon train. J'ai réussi à sortir aussi, mais du coup j'ai pris un autre train. Et j'avais pas... Enfin, la Golden Week jusque-là, bah ça allait. Enfin, jusqu'ici, j'avais à peu près le même nombre de personnes que d'habitude. Mais là, aujourd'hui, c'était blindé. Et je viens de lire un article sur mon téléphone. Et il disait qu'aujourd'hui, particulièrement, c'était blindé de monde. Du coup, dès que je suis arrivée à Osaka, j'ai directement réservé aussi pour bah, demain. Parce que demain, on part à Akata, Fukuoka, pour un espèce de petit festival. Et on va sûrement... Pardon. Manger encore au Kirby Café. Enfin, je mangerai pas à l'intérieur puisque du coup, moi, je veux le menu avec les frites. Et ce menu-là n'est pas possible à l'intérieur. Donc, je le prendrai à emporter. Mais du coup, je vais sûrement retourner là-bas demain et faire le festival s'il a lieu, s'il ne pleut pas. Et là, du coup, je vais partir parce que il serait temps. Il est bientôt 15h30. Je vais partir à un mini festival où il y a des petits stands de nourriture, des trucs comme ça et tout. À Osaka, c'est à deux arrêts de chez moi, c'est vraiment à côté. C'est ma propriétaire qui me l'a conseillé. Donc faut quand même que je me dépêche parce que je crois qu'il ferme à 17h. Donc voilà, mais elle me l'a conseillé. Je me suis dit, ah ouais, bah pourquoi pas, écoutez, ça a l'air sympa. Donc on va faire un petit tour là-bas et puis je rentrerai parce que j'ai pas non plus eu la meilleure nuit de ma vie, hein, j'avouerai. Enfin, c'était sympa et tout, mais j'aime bien avoir une couverture moi déjà. Et ça, j'avoue que c'est le truc qui me manquait vraiment, une petite couverture. Et puis je faisais que me réveiller, donc enfin, c'est pas un sommeil hyper... reposant, enfin hyper réparateur. J'en perds mes mots. Bref, on va y aller et je vous emmène avec moi. Let's go! Thank you.